Elle en vient présent à cette polémique qui ne retombe pas. Amélie Oudéa-Castéra, la ministre des Sports et de l'Éducation nationale, était ce matin en déplacement, vous allez le voir, au sein de l'ancienne école de ses enfants, l'établissement public de Littré à Paris. Après ses propos polémiques sur les absences répétées des enseignants, la ministre a été huée ce matin à son arrivée. À sa sortie, elle s'est exprimée devant l'école pour présenter, vous allez l'entendre, ses excuses. Écoutez. On a eu une conversation utile. J'ai pu revenir sur ces excuses que je leur devais de les avoir blessées. J'ai pu aussi réévoquer le fait que je regrettais de les avoir citées nommément. Et j'ai d'ailleurs à cœur qu'ils puissent vraiment être un peu épargnés de tout ça et de travailler dans la sérénité, qu'ils soient préservés. C'était aussi une conversation qui était utile, constructive. Voilà, on vient d'entendre la ministre. On avait du mal à l'entendre. Séquence pour le moins difficile. Forcément, bonjour. Bonjour, c'est l'heure du décryptage politique. Pas sûr, pas certain, vraiment pas certain que ces excuses vont suffire à éteindre l'incendie provoqué après ces propos polémiques. Un incendie qui dure, une polémique qui dure déjà depuis vendredi. Vous voyez, donc ça fait quand même plusieurs jours que cette polémique ne fait qu'enfler. Les syndicats étudiants sont extrêmement remontés contre les propos de la ministre qui a en fait... Et en plus, on s'est rendu compte qu'elle avait menti puisqu'ensuite, l'enseignante de cette école publique Littré... Donc je le redis pour nos téléspectateurs qui n'auraient peut-être pas très bien suivi cette histoire. Cette nouvelle ministre de l'Éducation nationale et des Sports a dit qu'elle avait retiré son fils aîné pour le mettre dans le privé puisqu'il y avait trop d'absentéisme dans l'école publique. Sauf que la maîtresse en question, le fils n'est resté que quelques mois dans cette école publique, l'enseignante en question a dit qu'elle n'avait jamais été absente. Donc la ministre a en plus de ça été accusée de mensonge. Donc elle s'embourbe dans cette polémique, qu'elle alimente quasiment, puisqu'à force, on voit à force d'essayer de se justifier, elle a eu l'enseignante hier au téléphone, etc. Ça ne fait que, la gronde ne fait que grandir à des syndicats enseignants qui étaient déjà furieux que Gabriel Attal parte au bout de quelques mois du ministère de l'Éducation nationale. Et puis ce ministère de l'Éducation nationale a été élargi la semaine dernière lors du remaniement au sport et aux Jeux Olympiques. Donc les syndicats enseignants sont doublement braqués en quelque sorte en se disant bon finalement l'école, l'éducation nationale qui est un ministère du temps long où les chantiers sont énormes, se sentent clairement relégués au second plan avec donc l'arrivée de cette ministre qui met les pieds dans le plat à peine nommée. Alors on peut se poser la question de son maintien à la tête de l'éducation nationale. Évidemment c'est un peu tôt, Emmanuel Macron vient de la nommer, ce serait quand même un désaveu de la part du chef de l'État que de s'en séparer maintenant, mais il va devoir, en tout cas ce soir, répondre lors de sa grande conférence de presse à cette polémique. Ça, l'opposition, en tout cas, appelle déjà à sa démission. En effet, l'opposition appelle à sa démission. Encore ce matin, Mathilde Panot, la chef de file des députés insoumis, a redemandé à ce que la ministre de l'Éducation nationale démissionne. Écoutez-la. Pour nous, il est évident que cette ministre ne peut pas rester et qu'il n'est pas possible d'abîmer l'école publique pour justifier un choix personnel, d'autant plus en méprisant autant le personnel de l'éducation, celles et ceux qui font vivre l'école de la République. Et évidemment, nous irons soutenir le personnel de l'éducation nationale qui sera en manifestation et en grève le 25 janvier et le 1er février. Ce qu'il faut bien entendre, et ce que les enseignants ont très bien entendu, c'est la suite de ces propos. De dire qu'elle a voulu s'assurer que ses enfants étaient en sécurité et avaient accès à une exigence des savoirs. Donc ce qu'elle dit en creux, c'est que l'école publique n'est pas en mesure de donner ça. Et que cette en plus, en citant nommément une école, c'est jeter le discrédit sur des enseignants en particulier qui, évidemment, se sont sentis visés. Les enseignants de l'école Littré qui travaillaient dans cette école en 2009 se sont sentis insultés. Et c'est tout à fait normal, mais c'est l'ensemble de la communauté éducative qui s'est sentie insultée.